Bonjour, alors sur cette image qui est ici, en fait j'ai un grand carré qui a été divisé en plusieurs petits carreaux identiques, tous exactement de la même taille. Et en fait, bon j'imagine que tu as reconnu un carré des centaines. Hein. En fait il y a 100 petits carreaux à l'intérieur de ce grand carré, puisque effectivement là, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Donc là, j'ai 100 petits carreaux, ce qui veut dire que chaque petit carreau représente un centième du grand carré qui est là. Alors maintenant, tu peux remarquer qu'on a colorié un certain nombre de ces petits carreaux, et on peut même compter combien il y en a en, en tout. Hein. Il y en a déjà... Alors ça, c'est des lignes pleines. Donc ici, il y a 10 petits carreaux. Là, il y en a 10 encore. Là, il y en a encore 10. Là, il y en a encore 10. Donc là, ça fait déjà 40 carreaux qui sont coloriés. Et puis il y a les verts aussi, donc 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Donc j'ai 47 petits carreaux qui sont coloriés, et chaque petit carreau vaut un centième, donc ici j'ai 47 centièmes. 47 centièmes, je peux l'écrire comme ça. Voilà, 47 centièmes, c'est la fraction euh, de ce grand carré qui a été colorié au total. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo... C'est en fait essayer de décomposer cette fraction. Et plus précisément, je vais essayer de l'écrire comme, alors quelque chose comme ça, 4 sur 10, un certain nombre de dixièmes, plus un certain nombre de centièmes. Donc un certain nombre de centièmes, je vais l'écrire comme ça, c'est un certain nombre de centièmes. Donc je l'indique comme ça, en fait je ne connais pas, c'est une étoile que j'ai mis ici. Mais j'aimerais bien connaître la valeur de cette étoile. Donc voilà ce que je te propose. Mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer la valeur de l'étoile ici. À toi de jouer. Et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va regarder comment on peut faire ça ensemble. Donc en fait, la première chose qu'on peut se dire, c'est que nos 47 centièmes, on peut déjà les décomposer comme ça. Hein. Ça c'est assez Facile à voir. 47 centièmes, c'est 40 centièmes plus 7 centièmes. C'est exactement ce qu'on a fait ici, en fait, quand on a compté tout à l'heure. Hein. On a compté d'abord les 40 centièmes. Alors, il y a déjà 10 centièmes ici. 10 centièmes là, ça fait déjà 20 centièmes. 30 centièmes avec les 10 qui sont là et 40 centièmes avec les 10 qui sont ici. Donc les 40 centièmes, en fait, ça correspond à la fraction qui est coloriée en bleu, hein, ici. Et puis les 7 centièmes qui sont là, eh c'est les carreaux qui sont coloriés en vert. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centièmes. Donc voilà, ça c'est assez compréhensible. Mais ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que 40 centièmes, eh c'est exactement la même chose que 4 dixièmes. Donc 4 dixièmes et 40 centièmes, ça, c'est exactement la même fraction, le même nombre. Et pour voir ça, il y a plusieurs façons de faire. La première façon de voir, ça serait de diviser notre grand carré ici en dixièmes. Alors, par exemple, ça, c'est un dixième. Là, j'ai un autre dixième. Donc, ça, c'est déjà deux dixièmes. Chaque barre représente un dixième. Donc, là, j'ai deux dixièmes. Là, j'ai un troisième dixième. Donc, 3 dixièmes ici. Et puis en fait, ben, on peut voir ça comme ça. Hein. C'est vraiment juste diviser le grand carré ici en dixièmes au lieu de le diviser en centièmes. Hein. Donc voilà, je vais faire comme ça. Là j'ai un autre dixième, donc 4 dixièmes. Là un autre dixième, donc 5 dixièmes. Ici un autre, ça me fait six dixièmes. 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes et puis 10 dixièmes avec le dernier. Et tu vois que 10 dixièmes, en fait, ça consiste à prendre tout le carré, donc 10 dixièmes c'est égal à 1. Maintenant, pourquoi 40 centièmes c'est équivalent à prendre 4 dixièmes Bien, Si tu regardes la partie qui est coloriée en bleu, je peux dire que c'est 40 centièmes, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je peux dire aussi que là, du coup, c'est 4 dixièmes. J'ai un dixième ici, un deuxième dixième ici, un troisième, et un quatrième ici. Donc j'ai... 4 dixièmes de mon carré qui est colorié en bleu. Donc tu vois que 4 dixièmes, c'est exactement la même chose que 40 centièmes. Une autre façon de voir ça, ça serait de regarder ce qui se passe quand on passe des centièmes aux dixièmes. En fait, chaque 10 centièmes est égal à 1 dixième. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on passe de 100 à 10, c'est-à-dire que le dénominateur est divisé par 10, il est divisé par 10, et le numérateur, il est divisé aussi par 10. 100 divisé par 10, ça fait 10. Et 40 divisé par 10, ça fait 4. Donc finalement, on a réussi à écrire 47 centièmes comme 40 centièmes plus 7 centièmes. On a vu que 40 centièmes, c'était la même chose que 4 dixièmes. Donc ce qui reste, c'est 7 centièmes. Ce qui veut dire que l'étoile qui est là, ici, c'est 7. Alors je vais même l'écrire comme ça. Voilà. Donc 47 centièmes, c'est 4 dixièmes plus 7 centièmes. Et en fait, si tu regardes la figure, les couleurs nous aident. Hein la partie colorée en bleu, elle représente 40 centièmes ou 4 dixièmes du grand carré. Et puis la partie colorée en vert, eh c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centièmes, ce qui est écrit ici.